Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode de Prey. Chers amis, nous allons dans le stockage. Et nous allons bien voir ce que nous allons y trouver. Bonjour. Voilà, j'aimerais que tu enlèves le verrou. Puisqu'en fait, les phases dans l'espace sont des phases que je peux. Des phases qui permettent d'accélérer. Carte au trésor de RAM de Mars. Une espèce de truc qu'il faut que je regarde. Oh là là, attendez, ça je prends une photo. Qu'est-ce qui se passe sur Roland-Garros? Ah, j'en saurais regarder. Hop, voilà, ça je prends une photo. B2, attention B2, hein, donc je pense que c'est Basement 2 ou un truc comme ça. Pourquoi? Seule la voix de Daniel peut déverrouiller ce truc. Il faut qu'elle nous communique la phrase clé ou on rentrera jamais. Est-ce que des échantillons de voix marcheraient? Des enregistrements transcribes. Ouais, s'ils contiennent les bons mots. Ou si on en a assez pour faire correspondre sa voix à une liste de consonnes et voyelles et commencer à créer des schémas. Je vais tenter de la retrouver. Elle ou son transcribe. Je vais voir dans sa chambre. Ok, mais Ivy, ne fais rien de stupide. Ivy? Ivy? Merde. Bordel, Daniel, vous êtes où? Ok, détour. Ensemble plusieurs échantillons vocaux. Votre transcribe est équipé du logiciel requis. Merde, chaque fois que je sors du jeu, je me bouffe un. Vous avez conçu ma voix. Commencez par chercher dans la cabine de... Ok, donc faut que j'aille dans les quartiers. Quartier des appartements, je sais pas trop quoi. Ah! Excusez-moi, c'est parce que je remonte mon pied. Voilà, crac. Ok, donc ça va encore être compliqué cette histoire. Encore faire une quête FedEx? C'est pas grave, je disais que je passe 3000 ans à faire une ligne droite, alors si en plus. Ok, microgravité détectée. Non, c'est vrai? Je me demandais si vous étiez perturbé par le fait d'avoir organisé votre propre mort. Ce n'est pas facile comme situation. Si je devais vous donner un conseil, ne pensez pas à ce qu'il va arriver. Concentrez-vous sur la prochaine étape. Une chose à la fois. Si vous avez besoin d'aide, je suis là. Nouveau transcript. Quartier de l'équipage, brèche de la coque. Je pourrais y aller par là ? Désactivé comme prévu, mais nous n'avons aucune info indiquant qu'il soit parti en navette. Je veux savoir où il se trouve et l'escorter où il doit aller. Je m'en occupe. Il n'y a pas de nouvelles données à voir. Ok. Merde, j'ai loupé. Ok, c'est donc par là qu'il faut que j'aille finalement. Loupé. Merde, j'avais oublié que ça faisait ça. Alors du coup, quelle est leur... Je sais. Est-ce que je les ai eus? C'est une autre histoire. Des radiations? Pourquoi des radiations? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Technopathe. Donc le spécimen s'invoque. Je sais pas ce que c'est et j'aime pas ça. Qu'est-ce que...
Putain, il est en train de me tuer à petit feu en plus, ce con. Mais c'est quoi ce bordel? D'accord, à chaque fois que je veux recharger mon arme, il me la décharge. Ok, donc on va y aller comme ça. Merde, aïe! Putain, il me fait vachement mal. Qu'est-ce que je peux faire contre ça? Meurs, charogne. Mais non, mais en plus, il les envoie même hors de ça. En plus, il les envoie même hors de ça. Putain. Non, pas encore. Oh la vache. C'est vraiment de la saloperie. Je veux pas dire, mais... j'ai pris hyper méga cher. Crac. Intérêt à voir ce qu'il faut là-dedans. Alors, respire, t'as raison. Ça a du bien. Bien fouiller les pièces comme ça, parce que comme vous pouvez le voir, c'est le bordel, littéralement dans tous les sens du terme. Je sais pas si je l'avais ce plan de fabrication là d'ailleurs. Ici on a des choses. Un gant de baseball. Ouais. C'est plus intéressant. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Forcément, toi tu viens par là, toi, ouais. D'accord, c'est une porte. Pardon. J'ai toutes les données. Voilà, c'est bon. Lui, on l'a eu. C'était pas pour rien, dites-moi que c'était pas pour rien. Trop loin, trop vite. Mais on l'a déjà vu, c'est le 2, c'est le tome 2. Ouais, ok, c'est le tome 2. Cool. Poubelle, il y avait un cigare. Et c'est motherfucking tout. Faut que je me remette dans le bon sens. C'est pas le bon sens. Ok, voilà, c'est bon. Allez, on traverse. Bonjour. Apparemment, c'est sa piole qui est. Bonjour. Bonjour. Je sais pas si ça a marché. Ça a marché, mais je pense que ça va me péter à la gueule. Ok. C'est pas grave. C'est pas grave, on s'en sort. On s'en sort, Marcus. Calme-toi, c'est pas... Puce, vous obtenez une puce. Électrostatique, plus 6... Incompréhensible. Augmente les dégâts infligés par l'onde électrostatique. L'onde électrostatique, je crois pas que je l'ai ce truc-là. Donc tu as une chance d'utiliser un pouvoir psy sans dépenser de points. Ça, ça peut être pratique, mais je sais pas en quelle mesure je gagne cette possibilité. Rapide scan. Alors ça, ça peut être... Alors du coup, ça me sert strictement plus à rien. Désinstaller, d'accord, je vais chercher le truc. Réacteur peur. Voilà, plutôt ça. Je vais gagner du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Putain, mais le jour où je craque et je mets WoW sur la chaîne, mais... Mon dieu, il va se passer des choses. Si vous m'entendez... Si vous m'entendez, comment ça s'appelle, Blizzard,
Contactez-moi. Si vous voulez la fin de ma vie sociale, contactez-moi. Ok. C'est pas flippant du tout ici. Non, non, je t'assure, c'est pas flippant. C'est la piole la plus flippante que j'ai eu à visiter. Tiens, c'est notre famille. D'accord, ok, c'est très bizarre. Et apparemment, surtout, c'était pas ici. Haha. Déception. Je suis baisé. Comment je vais bien pouvoir faire pour passer? Je suis niqué, comme l'indice japonais. Colmater la brèche dans la coque. Ouh, ça, ça m'intéresse. Boucher les trous. Travail de tout homme digne de ce don, digne de ce nom, pardon. Allons-y. Oh là là, là, je suis à 11 mètres par seconde. Ce qui veut dire que là, je suis à... Oh là là. J'ai intérêt à faire gaffe à où je veille. Colmater la brèche de ma coque. Ok. On y est. Ça se verrouille, merde. Comment tu veux que je fasse un bon boulot? Bonjour. Oula. Je suis désolé mon bon monsieur, vous est arrivé une couille. Et je ne peux rien vous prendre. Ok. Ok. J'aurais peut-être dû rentrer avant de le faire, mais... Oh! Oh, wow, 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 wow! Ça, je sais, ça! Bref, je la coque. Encore une. Opérateur à l'approche. Ça, je sais où c'est, ça. C'est les pièces qui étaient verrouillées que je rageais parce que j'arrivais pas à trouver d'entrée. Tu m'étonnes, en fait, le personnage, il voulait... C'est pas que j'arrivais pas à trouver d'entrée, c'est que le personnage ne voulait pas rentrer. Il y avait un danger. C'est un... C'est pétoche. Ah merde, je l'ai bien vu il y a 2 secondes. Ok, en fait, je crois que je suis parti tellement loin que le jeu me dit non. Bon, tu t'es chié dessus, Marcus. Ça doit être ça. Vous, vous êtes pas des flammes. Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette saloperie encore? Pourquoi elle est là? Aïe. Oula. Marcus, 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 Marcus. Comment on l'avait eu la dernière fois avec ça? Ah, j'en ai plus. Ah, j'en ai plus. Merde. Non, ça j'ai pas pu. Qu'est-ce qui m'arrive là du coup? Et je suis mort en fait, ça c'est... Psy nullifié. Il faudrait peut-être que je fasse ça avant. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. C'est à quel moment? Ah oui, d'accord, oui, effectivement, il y a loin. Il y a vachement loin. Donc il y a de ces saloperies en plein vol.
Et là, il me reste plus que 92% et c'est marre, quoi, en fait. Ok. Bon. 40 balles. Je sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Bon, c'est pas grave, on verra. Advienne que pourra. On va commencer par aller boucher les trous. Le plaisir de tout homme est de boucher des trous. Est-ce que je vais pouvoir passer là-dedans ? Putain, la luminosité qui est vraiment pas bien, la lumière qui est vraiment pas bien placée en fait finalement. Tu veux bien m'enlever l'objectif multiple et me laisser afficher uniquement le. Le truc qui m'intéresse. Putain, je l'ai rep. Non, c'est là. Mais c'est même pas la même. C'est pas possible que ce soit là. Mais non, mais là, c'est pas de là d'où je viens. Si. Qu'est-ce que tu me chies? Faut que je reste au même niveau. Bon, on va faire ça bien. On va sortir. Je reste au même niveau. C'est pas ce que je voulais faire. Blablabla. Vous voyez quelque chose, vous? Pas moi. Ok, c'est bon. On est au bon niveau. Hop. Allez, montre. C'est là. Donc c'est pas la même zone que tout à l'heure. C'est absolument génial. C'est bon, on l'a vu. Ça, c'est Arboretum. Brèche de la coque. Et du coup, je retrouve pas. Brèche de la coque, quartier de l'équipage. C'est quoi cette histoire? Non, mais casse-toi, tu sers à rien. J'ai rien dit. Allez, tu veux bien le. Mais merde, tu veux bien le. Que ça me saoule, mais tu me pètes les couilles. Ok, putain, si c'est ça les quartiers, bah dis donc. Cela dit, il y avait de la bière dedans. Matériaux exotiques en toute petite quantité. Anti-radiation. Global Unity Games. D'accord. Des anguilles, why not. Enfin bon, là pour le coup ça pue un peu du cul dans cette région. Excusez-moi, je vois un truc un petit peu rouge, je m'inquiète. Putain, j'ai du mal à trouver le sens. Je commence à avoir la gerbe. Blablabla. Ah, attendez, il y a un truc là. C'est pas les Global Unity Games ça? Mais si, c'est ça, donc j'en viens de là. Ça c'est quoi?
Pièce détachée, je prends. Donc ça c'est une brèche que je peux pas colmater, on est clair hein, là-dessus. Hein. Je peux en appeler un parce que lui sera pas. Sera pas vilain normalement. Vous avez raison, je vais de regarder. Oui, je veux bien qu'il me soigne, s'il te plaît, merci. Mais... Alors, il peut me soigner dans l'espace. Ok. Autant pour moi. C'est comme le fait que je peux manger dans l'espace. C'est pareil. Comment je fais? Expliquez-moi. J'enlève le scaphandre, je bouffe un coup, puis après je... Hein? Bon, par contre, ça me dit toujours pas. Quoi? Bon, bah, j'ai foncé dans quelque chose, mais alors... Mais alors quoi? Regardez. Hop. Oh, je mange dans l'espace! Bon, du coup, on a plein de choses que je capte pas. C'est que j'ai pas réussi à retrouver... Colmater la brèche dans la coque, voilà, c'est ça. On va passer par la zone centrale de la... Quoique je sais pas si c'est une bonne idée de passer par là, mais enfin bon, c'est pas grave. Hop. Puis par là. Finalement, je sais vraiment pas si c'est une bonne idée parce que c'est dans ce genre d'endroit qu'on est tombé sur le télépathe qui sortait de nulle part d'ailleurs au passage. Allez, remets-toi. Voilà. Encore que. Si c'est celle-là. Si c'est celle-là. De toute façon, je peux pas passer dedans. Là, c'est clair cette fois-ci. Ok, le mastic pour les nuls, c'est bon. Opérateur ingénieur, tu peux pas me réparer un petit coup ma... Bonjour. Inspection en cours. Votre combinaison. Ouais, merci. Ah, t'es adorable. Toi, t'es un vrai bonhomme. Ok, cool. J'ai oublié de sauvegarder pour le précédent épisode. Donc je le fais, vous voyez. Crac. Cadavre humain à 130 mètres. Ennemi là-bas. D'accord, attends, les cadavres humains à 130 mètres là-bas, je l'ai pas. Je l'ai pas quoi, je l'ai pas trouvé. Donc on va y aller. Je l'ai pas, vous savez. Alors le problème c'est où est-ce qu'il est exactement? Est-ce qu'il est devant? Est-ce qu'il est derrière? Quand même vachement joli, hein, je veux pas dire, mais l'espace, c'est la classe. Allez, on y va. On y va. Verrouillé. C'est bon, il y a quand même un cadavre humain juste ici. Je vais aller voir. Il faut qu'il y ait un pass ou un machin pour cette fameuse zone. Salut Simone. Sas d'accès aux navettes. Brèche de la coque centrale électrique. Attends, on y va. Hop, on y va. Parce que je pense que si je rajoute ces trucs là avant d'arriver dans les zones avec les sas, je peux peut-être avoir plus de
de facilité dans la zone. Wow. Vous avez vu ça là-bas? Je me suis pas arrêté exprès, j'essaie de m'écarter un peu. Putain, mais c'est autoguidé ces trucs. C'est autoguidé ces trucs. Allez, bouffe. Ça marche pas les grenades en plein, hein. Ça y est. Voilà. Scan terminé. Ok, maintenant. Nouvelle aptitude disponible. Pouf. Dans ton truc qui brille. Nom de Dieu. Excusez-moi pour la colère, hein, mais là. Waouh, t'es quoi toi? Parce que je voudrais bien une petite réparation, moi, pour le coup. Dis-moi que t'es pas corrompu. Putain, il est corrompu! Je crois que quand ils ont la lumière rouge, c'est pas bon signe. On va dire ça comme ça. Oula, c'est par là. Alors, soit c'est des cristoïdes. Ce qui me semble être vaguement le cas. Ça. Ah ah! Nettoyage par le vide. Je prends un niveau psy au cas où. Salut les filles. Enregistreur à bobine. Ah merde. Bureau de Mikaïla. Ok, je suis dans un bureau. Oula! Ah non, c'est la couleur qui est. C'est normal la couleur. Je croyais que c'était du sang partout, mais. Ouh, un neuromode. Injection. C'est quoi ça? Traitement contre la paraplepsie. Paraplexie, pardon, excusez-moi. J'en chie. Crac. Si je vais là. Modificateur d'armes, ça c'est cool. Faudrait que je réussisse à mettre un point d'amélioration pour améliorer le canon glu. Parce que là, en termes de. On va regarder, vous allez voir. Ingénieur, pardon. Attendez, scientifique, il y a eu des nouveaux trucs là, c'est quoi ça? Aptitude psy, d'accord, ok. Et ça c'est quoi? D'accord, ça peut être intéressant aussi. Hein. Clairement très intéressant. La nécropsie, ça peut être intéressant. Amélioration de pleine forme, la quantité. Je sais pas ce que c'est que le statut pleine forme, ça le truc en fait. Marqué là peut-être? Non. Par contre, ça du coup, ça pourrait être carrément pratique. Ok, force physique 1, ça peut être pratique aussi, parce que ça nous sortirait de bien des emmerdes. Impact calibré, d'accord. Il en faudrait 6. Est-ce que je suis full amélioré ce truc-là ou pas, pour le moment? Merde, c'est moi, autant pour moi, excusez-moi. R pour menu, améliorer. Ah, il est amélioré pratiquement à fond, quoi. Je peux améliorer la portée. Et 18 mètres, ça reste complètement. Ça peut être cool aussi. Attendez, parce que j'ai d'autres armes aussi. Hein. J'ai beaucoup d'autres armes. Puissance, portée, vitesse de recharge, tir. Ok.
ça m'intéresse moins comme. J'utilise beaucoup moins, c'est-à-dire que ça, j'utilise carrément moins. Maintenant, celui-là, s'il est vraiment craqué. Comme il semble l'être, hein. Améliorer ça, ce serait peut-être pas mal. Maintenant, est-ce que je peux faire un petit tri automatique? Parce que là, j'ai du bordel là-dedans. Le rat typhoon, ça peut être pratique aussi, ça. Enfin. Si on prend les choses dans le bon sens. Ça, je l'ai déjà vidé. Ok. Là, il y a une porte qui doit être condamnée de chez condamnée. Ok. Bon, on y va. On y va, on y va. Coucou. Alors, ça fait quoi de crever comme une merde? Excusez-moi d'avoir à le dire de cette manière, chers amis, mais là, pour le coup... Je ne peux pas le dire autrement. Maintenant, il faudrait que j'arrive à ressortir. Objectif multiple. Objectif multiple. Vous avez vu? C'est lui? Je suis seul à voir qu'il y a un trou à gauche là. Boum! Allez, dégage. Ah putain, non, c'est pas un trou. Quoique, il y a un passage derrière. Et attendez, il y a un passage derrière, on est d'accord. Secret? Passage secret? Non, pas apparemment pas. Pas si secret que ça, finalement. Ah, j'y ai cru, pourtant. Je peux vous assurer que j'y ai cru. Ok. Bon bah, on va aller là. Hein. Là où j'ai vu qu'il y en avait un autre. Là. Hop. Oh. C'est pas simple de se diriger. Oh bah, je pensais pas pouvoir passer par là un jour, mais écoute, pourquoi pas. Cadavre humain non découvert. Et là-bas. Tellement de choses dans l'espace, apparemment. Ah, bah là-bas, il y a un mur. Combinaison endommagée. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'est parce que je viens de taper la tête la première dans un truc? Mais c'est pas normal, c'est dégueulasse, je m'insurge. C'est impossible. Où il est le cadavre? Maccabé, maccabé, maccabé. C'est quoi là-bas? Putain, y'a encore un mur entre nous. Maccabé, Ah, te cogne pas la tête, parce qu'apparemment ça fait mal quand tu te cognes la tête. Putain, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il me l'affiche, mais après, pourquoi il me l'affiche plus ensuite? Arboretum? Ça, c'est Arboretum? Je crois que c'est ça qui est marqué. Cadavre humain 40 mètres. Putain, mais c'est les 40 mètres les plus longs de toute ma vie. Hein. Putain, mais il va être de l'autre côté. Il va être de l'autre côté encore. Putain. Ok, c'est quoi ça? Ça doit être un système d'énergie. Je pense que les couleurs orange, pour moi, ça veut dire énergie, hein, quelque part. Hein. Gaz ou... Putain, mais il est juste là, mec. Tu vas pas me... Quoi? Où tu es? Il est là, mais on le voit pas. Non mais là, non mais arrête tes conneries, t'es où?
T'es où? Mais non, mais t'es où, bon Dieu? Sale bête. Ok. Faiblesse, électricité, explosion, psychique, IEM. IEM ? Ça tombe bien. Garde ça. Bouf. Tu fais pas de dégâts. Hein. Psychique. Test numéro 2. Pas de dégâts. Explosion, enfin ça j'en ai pas. Metteur d'onde 0. Électricité, non aussi hein. Ouais, faut que j'arrive à aller plus vite que lui quoi. Qu'est-ce couille hein. Oh mais je vais mourir. Parce que cette saloperie ne veut pas mourir. Tiens bouffe. Je sais pas s'il l'a senti celui-là. Je m'en suis pas rendu compte. Celui-là il le sent. Bon, du coup, il m'éloigne de mon objectif, ce qui me pète royalement les couilles. T'es dedans ou pas? Plus de balles, j'ai plus de balles. Je tire comme un malade depuis tout à l'heure, mais j'ai plus de balles. Voilà, dégage. Oh là là, la sale bête. Ok, technopathe, saloperie. Bon, où est-ce qu'il est mon cadavre? Putain. Ah, me dis pas que je suis encore devant un trou où il y aura rien parce que là ça va me péter les couilles. Putain. Le pire c'est qu'il y a 2 secondes. Putain, c'est lui qui respire. Il faut que tu respires, hein, tu vas pas mourir de rire, hein, je te rassure. Ok, bon on y va, s'il veut bien. Allez, pas d'autres technopathes parce que là ça fait tellement mal. Surtout en fait quand tu ne le vois pas. Je trouve ça, je suis désolé d'avoir à le dire comme ça, mais je trouve ça complètement pute. Ok, ça c'est quoi? C'est un canon. Un canon comme j'ai déjà. S'il me rapporte des munitions en plus. Ok, maintenant on se casse. Je veux plus rester dans l'espace, il y a trop de bestioles qui me tuent allègrement. Objectif multiple, objectif secondaire, voilà. Les trucs blancs sont les objectifs principaux, chers amis. Maintenant c'est direction la survie, parce que là on a plus, on avait plein de trucs de santé, on en a presque plus. C'est ce qu'on appelle une hécatombe. C'est comme le premier lundi. Bah oui, mettez de l'éclairage là où il n'y a pas besoin et n'en mettez pas là où il y a besoin, c'est génial. Ah.
Ouais, j'ai plus rien pour réparer. Putain. Ok, on est bon. On évite de se prendre les pics à la con. Tu freines. Voilà. En douceur. T'es tout bon. Donc là-dedans, c'est de pire en pire, cela dit. Ok, bon, on y va. Oui, je me fous de vous. Faites-moi entrer, il y a des sales bêtes de... technopathe. À mon avis, c'est un télépathe qui a pris possession d'un technicien. Et ça fait mal. Ça fait atrocement mal. À tel point que je viens de me rendre compte que j'ai que 30 points de vie, que je n'ai pas du tout de quoi me soigner. Et donc... que je vais mourir ici. J'avais dit, hein, que je vais mourir ici. Oh, ce jeu est dur. Que ce jeu est dur. Mais je ne suis pas un lâche. Et si je l'aidais ? Eh ben non, je meurs quand même. Non. Putain, ingénieur. Ouais, c'est un de tes potes de soins que j'aimerais avoir. Mais... merci. T'as pas un pote de soin dans le coin? Parce que bordel, j'en aurais vraiment besoin là. Ah puis, et forcément j'en ai la seule pièce de tout le bâtiment qui n'a pas repop. Un kit de secours, vas-y, crée. Ouh, crée. Savez quoi? Tant pis, je craque un neuromode, mais là, j'aurais dû le faire avant. Voilà, faut que je craque des neuromodes ici parce que je peux pas. J'ai besoin de trop de santé. Je me fais rect à longueur de temps. Même ça, là... ça, je le prends après. Hein. Qu'est-ce que... comment... Thank you.
Batterie à rayonnement, ça coûte cher ça. 3-3, j'en ai plein, c'est bon, vas-y. Est-ce que je peux pas le péter avec ce truc justement? Non non. Non non. Putain mais là ça passe à travers les murs quoi. Mais non. Ce mec il... Enfin c'est débile. C'est absolument débile. C'est... Alors je repop où? Ah bah oui, dans 5 secondes il me traque. Démerde-toi Marcus, dans 5 secondes il te traque. Trier automatiquement. Ouais vas-y, vas-y, recycle parce que là dans 5 secondes je suis mort donc... Pourquoi je peux pas lancer la construction de plein de trucs en même temps? Kit de secours. Ce qui me fait penser que le neuromode, du coup, je l'ai plus. Du coup, là, je le mets. Que c'est une nécessité, hein. Ah, tu me traques plus? C'est totalement aléatoire. Allez, le prochain. Je me le prends pour moi. Voilà. Maintenant. Ça a l'air d'être potentiellement le truc qui me fera le plus d'effet sur cet ennemi-là. Et... Sauvegarde. Il a fallu que je le scanne. Et donc du coup là il est plus là, c'est ça? Voici, là il va revenir là, non? Je me suis cassé la gueule bêtement. Bon, alors il m'a tué une fois, du coup il revient pas, c'est ça? Ah, l'idée d'assassin. Tour à la chaise. C'était que ce bruit. Ok, c'est pas grave. Bon. Né? C'était quoi ça? Opérateur à l'approche. C'était quoi ça? La pote, des peurs. Je me dirais Bou dans... Vous avez vu là-bas? Faudrait que j'arrive à le scanner. Mais il se téléporte ou... Ou QA? Ah non, la rente... Vous avez pas le droit de me dire que... Les ennemis ont rep...
j'aimerais te scanner. Est-ce que tu crois que c'est possible? Et normalement, j'ai un pouvoir pour agir avec les... Attendez. Bonjour! Est-ce que tu vas bien? Eh oh! Faiblesse psychique. Psychique? Genre ça? Merde, non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment je fais pour l'annuler? On va dire que c'était ça pour l'annuler. Mais bon. S'il est pas plus réactif que ça, ça va être rapide. On m'explique. Ah, il y a des jours où pour lui c'est pas la forme, mais des jours. Ou à l'inverse. Est-ce que ça va être suffisant? Ah putain, j'aurais tellement aimé que ce soit suffisant. Voilà, merci. Donc il y a une saloperie qui me traque constamment. Je sais pas en combien d'exemplaires elle est présente, si je puis dire. Donc ça, je m'en souviens. Là, normalement, il y avait un coffre que j'aurais pu hack, selon vous. Donc on va aller le faire. Oh. Ah non, je l'avais tout simplement pas fait parce que j'y ai pas pensé, en fait, hein, tout bêtement. Voilà, c'est ça. Crac. Là, il y avait justement le coup des fameuses grenades recyclantes qui, comme de par hasard, butaient les mimiques, mais qu'en vrai... Mais qu'en vrai ça marche pas. Voilà. J'ai réussi à finir ma phrase. Bonjour madame. Bonjour madame. Ok. Faut que j'essaie de me souvenir. Normalement c'est par là qu'il y avait l'espèce de couloir où justement j'avais pas le droit d'aller, non? Il y a une commande là. Il y a une commande. J'ai un point à mettre. J'ai un neuromode encore sur moi, chers amis. Je vais le mettre dans force physique parce que depuis longtemps on le dit qu'on allait le faire. Que ça pourrait nous aider, tout ça. Mais finalement on le fait pas. Dégage. Je sais pas si ça peut tuer des gens, cela dit. Ça peut être intéressant si c'est le cas. C'est un kit de secours, je crois que c'est un truc qu'il fallait pour activer en fait. Ok. Pourquoi pas? En haut, en bas, y'a rien. Apparemment non. Ok, c'était juste pour ça donc. De mémoire, ce n'était pas là non plus. Ce que je cherchais. Donc là, c'est... Retour à la zone précédente. Donc là non plus ce n'est pas ça. Ça. Non, ça mène à cette pièce là avant. Ça mène pas à la bonne pièce de mémoire, hein, toujours pas. Alors est-ce que c'était en haut, pardon. On va monter. Bonjour, oui, merci, tu peux me réparer? Merci. Merci, c'est gentil. Rien dans le coin que je ne puisse... dont je ne puisse me servir, pardon. Et là, rien non plus parce que c'est de là que je viens.
Je sais que je pourrais aller réparer mon armure, ce qui me ferait d'ailleurs énormément de bien. Bonjour, ravi de vous revoir, Dr. Yu. Oui, ça je sais où c'est. D'ailleurs, il va y avoir une tourelle dans le coin. Ok, ça je m'en rappelle aussi. Là, je me rappelle qu'il y a l'autre fille là-bas au fond. Qui m'attaque à travers le mur de mémoire. Aucune carte d'accès correspondante. Ah putain, mais je suis trop con. Une fois que je suis plus petit, ben, je passe. Mais ça me mène à rien. Ça me mène strictement à rien. Attendez, j'ai peut-être pas bien regardé, cela dit. C'est possible. C'est tout à fait mon style. C'est possible que cette pièce ne mène à rien du tout, quoi. C'est absolument improbable. Merci. Bon bah, je suis passé. Mais il y a effectivement rien du tout. Donc, je sais pas du tout où c'est. Donc, je sais pas du tout comment passer ici, quoi, finalement. C'est incroyable. Je peux prendre ça. M'approcher de la porte et faire genre kaboum. Oui, chers amis, donc on m'a dit de regarder derrière les chaises. Pff, c'est débile, mais apparemment derrière les chaises, il y a des choses. Il y aurait une chaise quelque part, et derrière la chaise, il y aurait quelque chose. Selon moi, c'est des conneries, hein. Soyons honnêtes, c'est des conneries selon moi. Ça, je prends. T'as failli te bouffer un coup, toi. Ah merde, à chaque fois que je lance le jeu, excusez-moi. Tu m'as perdu de vue. Des coups de je sais pas où. Bon bah tant pis, hein. Tant pis. Bon, on y retourne, tant pis. J'ai donné tout ce que j'avais. Elle est morte ? Piratage 2. Ça peut être pratique comme tourelle, ça. Merde. Ça, elle est dure, hein. C'est W. CW, c'est les premières fois que je les ai, c'est génial. Merci de bien vouloir te dégager quand tu le pourras. Ok, il n'y avait pas un coffre dans la région aussi, là. Ah, oh, je sais plus. Je ne sais plus.
Un coffre qui était fermé à quadruple clé. Fantôme classique. Pourquoi pas. Cuisiner le chou-fleur, pourquoi pas. J'ai un peu l'impression de jouer aux Sims. C'est rigolo. Là, il m'entend, hein. Se pose des questions. Se demande ce qui se passe. Merde, je suis con. F pour annuler. C'est celui-là que je veux. Bah alors ? T'as pas aimé ? Je t'ai eu ? Je t'ai one shot. Oh, ça, ça m'étonne. Eh ben ! Trop de puissance dans le Marcus, hein. Jorgen ! Ce bruit-là, j'aime moins. Le schling. J'ai l'impression que ça, c'est des choses que je devrais voir, mais que je ne vois pas. Ah oui, tu m'étonnes qu'elle a été recte. Y'a pas que ça à mon avis, Simone, hein, tu sais. T'as dû perdre quelques boulons au passage. Ça, c'est le cauchemar. Je dirais même que c'est le cauchemar cauchemardesque. Qui d'ailleurs, au passage, me fait bien chier. En termes de charge, j'en ai 3. Je vais la recycler comme ça, ce sera fait. Qui recycle au passage l'autre trou du cul. Putain. Sale bête. Sale bête, sale bête, sale bête. Utilitaire. J'imagine que les casiers sont vides parce que je les avais bien fouillés, ouais, voilà. Ok, cool. Bon bah écoute, on y va alors, hein. On se bouge le fion. Ouais, ouais, ça bip. C'est bien. Donc apparemment, c'était pas par là que j'avais rencontré cette espèce de zone. Je vais quand même regarder sur la map. Merde, c'est pas les bons boutons, hein, Marcus, hein. Map, ce serait là ? Ouais, ce serait là. Ok. 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 Fabricateur. D'accord. Bon, apparemment, ce ne sera pas là. C'est possible, hein, c'est possible, j'en rappelle plus trop. Du coup, je peux récupérer les pièces détachées sur eux maintenant, effectivement. Ce qui rend les choses très 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 pratiques. Sauvegarde avant. Voilà. Histoire de pas me tomber sur un ennemi à la con en sortant de la porte. C'est tellement classique, ça, chers amis. Oh, excusez-moi, je m'étire. Je commence à voir la dalle. Il est au midi, non ? Ouh, cet épisode dure donc plus d'une heure. Non.
Si c'est le cas, chers amis, on regarde ce qu'il y a devant nous. Ah oui, ça avait full repop ici. Ah oui, ah oui, ah oui. Oh putain, faut que je revoie partout. Hop, allez, vas-y. Désolé, hein, mais là j'en ai un petit peu besoin. Je porte des choses. Allez, je porte une unité de métal, ça peut toujours me servir. Merci pour les pieds détachés. Je trouve que c'était un neuromode, je me suis dit, ouais, c'est la fête du slip. Mais en fait, non. C'est un bureau. C'est une fléchette. C'est un panneau. C'est une peau de banane. Quoi ? Mais non ! 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 S'attaque à une tourelle. Nouvelle aptitude psy disponible. Ça va être encore trop juste. Il vaut mieux que je l'ai à ce moment précis. Il valait mieux que je l'ai à ce moment précis, hein. Selon moi. C'est bien mieux que je l'ai maintenant. Par contre, ça veut dire que tous les trucs que j'avais déjà pété sont re-revenus. Et je dis bien re-revenus. Aïe. Et eux, je les avais déjà, malheureusement. Je l'ai pas tué. Je l'ai tué ? Y'a pas de cadavre, hein. Je précise qu'il n'y a pas de cadavre. Par conséquent, je ne pense pas l'avoir tué. Je vais prendre les munitions si tu veux. Quatre neuromodes. Ça fait du bien par où ça passe. Ça veut dire que j'ai de quoi... Attendez. Ça veut dire que... Oui, voilà, regardez. Je vais pas... Vous allez me dire, oh, c'est stupide. Mais regarde, je vais prendre ça. Ça permet d'augmenter certaines stats que je ne connais pas. Faut dire ce qui est, hein, je ne les connais pas. Contrôle des machines, ça peut être pratique. Même si... c'est choc psychique. Ça peut être carrément bon, ça. Ça peut être pratique aussi. Il va me falloir plein de neuromodes encore. Ça, c'est quoi? Onde électrostatique. Génère une onde électrostatique qui perpage une 3 mètres de la cible. Inflige 25 points de dégâts. Fait disjoncter les équipements électriques et étourdit les cibles robotiques pendant 3 secondes. Étourdit pendant 2 secondes. Les cibles pourront être scannées. D'accord, ok. Tout peut être pratique ici. Tous les neuromodes sont utiles, hein, finalement. On peut le voir, hein, là, pour le coup. Tout ce que j'ai pu voir devant moi était utile. Apparemment, j'avais pas déverrouillé cette porte. Oh, qui m'emmène à un couloir en bas. Ça allait forcément me diriger en bas à un moment ou à un autre, mais... Et donc, oui, pour finir ce que j'ai commencé. Ça me rapporte 10 points de vie en plus, c'est juste épique. Avant c'était 5, chers amis. Pensez-y. Hop, ok. Un truc qui va pas. Trop de pièces détachées.
D'accord, ils sont en dessous. Ils étaient en dessous la première fois que je suis passé, vous vous rappelez? J'espère qu'ils sont en dessous. Je ne me trompe pas. Discrétion, Marcus. Pas bon ça. Ah, je suis arrivé derrière mon bureau. Oh, si c'est le cas. Merde, et mon bureau est fermé. Je suis juste à côté de mon bureau, mais mon bureau est fermé. Merde. Ah, j'aurais gagné un temps fou. L'autre a disparu, non? Il est là? Oh! Bethesda! Bethesda, Bethesda, Bethesda. Pourquoi es-tu Bethesda? Mais non! Bethesda! Un instant, je vais râler sur Bethesda. Génial. Génial, génial. Saint-Écube. Ça, c'est que des bruits normaux, finalement. Ça, c'est quoi? Toujours pas la carte d'accès? Non. Il n'y a pas un ennemi, normalement, ici. C'est bon, tu t'es calmé? Ok, bon. Il va falloir que je termine cet épisode assez rapidement. Staff Lounge. Pas m'emmerder, moi. Crac. Voilà. Voilà. Au revoir. Le rebut. On fait le tri. Ah putain, attendez, j'ai un flingue en plus. Ok. Retri. J'ai même des clés en plus. On peut pas la modifier, la clé, ici? Parce que c'est marqué non modifié. Ou alors, c'est à dire qu'il y en a des modifiés justement à retrouver. Ce serait pratique, cela dit. Oh, mais peut-être que là-dedans, je peux trouver masse bouffe. Ce qui va me m'aider grandement pour la suite. On n'a pas la même conception de masse bouffe. C'est un arbre. Putain, je suis con. Je regarde le truc en me disant mais qu'est-ce que c'est? Mais ce n'est qu'un arbre. Merci. Normalement, j'ai tué la saloperie qui était là-dedans. Okay, j'aimerais rejoindre mon... Tepiloupilou. Tepiloupilou.
18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. C'est bon. Personne ? Cool. Alors là, de mémoire, il y a du monde. Et dans mon labo, mémoire, il y a une tourelle. Piraté apparemment. Donc j'ai bien fait mon boulot. Puisqu'elle est complètement piratée. Est-ce que je peux te réparer? Non. Ok, allez, dans mon bureau. Et on est bon. January, tu es là. Bonjour. Chaque neuromode prend un cliché de votre cerveau et modélise ce à quoi il ressemblerait si vous appreniez quelque chose de nouveau. Il effectue ensuite les modifications. Des milliards de connexions sont réorganisées en quelques minutes. Mmh. Tout est rendu possible par nos amis de l'espace. Alors... Votre bureau est un endroit relativement sûr. Revenez ici pour vous reposer ou utiliser le fabricateur. Je vais avoir besoin d'une info, chers amis. Une info extrêmement importante. Est-ce que c'est buggé? Parce que regardez, dans mes quêtes, parle à January pour recevoir plus d'infos. Grand rôle de Talos One. Franchement, ça m'inquiète. Je vais faire le plein. Dans l'inventaire. Enfin, un petit peu. Allez, ici, dans l'inventaire, j'en crée un peu plus. On va créer des munitions. Parce que les neuromodes, je vous rappelle que je ne peux plus les construire pour le moment. Crac. 12 munitions de pompe. On continue. Il va falloir un peu plus que 12. Vu que c'est l'arme de prédilection que j'utilise le plus. L'hypopsie, ça me prend quoi? Un de chaque. Soyons fous. J'aimerais bien pouvoir en faire plusieurs en fait. On m'avait conçu pour vous assister. J'ai plus d'instructions. Mais je ne peux y accéder tant que vous n'avez pas trouvé les deux clés d'armement. Ok, cool. Ça m'en fait 8. C'est très très peu compte tenu de tout ce que j'ai actuellement. C'est pour ça que je pense que ça va mettre... Je pense... Donc... Plus de combinaisons anti-radiation, ça peut être pratique. Et voilà, c'est là. Donc je pensais... utiliser ça. Ok, donc c'est la fin de l'épisode. Je pensais utiliser ça, mais je sais pas. Hop, voilà, je pensais utiliser ça, donc je pense que je vais le faire. Donc moi, je vous retrouve dans le prochain épisode, chers amis, et à plus pour d'autres aventures. Salut!